Notre Père, qui es aux cieux, que mon Père, qui est ton homologue sur cette terre, soit sanctifié. Si ta volonté doit s'accomplir, que le maître ne vienne pas ce lundi matin. Délivre-moi du cahier de devoirs pour lequel le vendredi soir et le lundi soit un calvaire. Toi qui as connu Golgotha, tu comprends le sens de ma prière. Car c'est à toi qu'appartiennent le maître, la chicotte et les devoirs pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière-là, beaucoup d'entre nous l'ont déjà faite il y a de cela 10, 20 ans, voire 30 ans pour certains. Tout ça à cause du cahier de devoirs. Le cahier de devoirs. Le cahier de devoirs pour nous était le ticket d'entrée à la maison le vendredi soir. C'est-à-dire quand tu arrives, le vieux est devant la porte. Il tend la main. Tu mets le cahier de devoirs dans sa main et puis tu rentres. Ton week-end dépend de ce que contient le cahier de devoirs. Si tu vas vivre un week-end heureux, c'est dans le cahier de devoirs. Si tu vas vivre un week-end malheureux, c'est dans le cahier de devoirs. Le vieux prend le cahier de devoirs, mais attention, avant qu'il puisse l'ouvrir, il faut préciser les pages concernées. Papa, papa, c'est pas là-bas. Non, tu m'as déjà frappé pour ça là. Ça, c'est les anciens zéros là. Hein? C'est où j'ai plié là. Hein, où les zéros sont nouveaux là. C'est là-bas. Enfin, il faut préciser parce que il peut te frapper pour les anciens zéros. Il faut préciser. Le vieux prend le cahier de devoirs et puis il feuillette. Il feuillette, hein. Et pendant qu'il feuillette, c'est là que tu te rends compte que le vieux louche un peu. C'est-à-dire un œil dans le cahier de devoirs et le deuxième sur toi pour ne pas que tu puisses échapper à ta sentence imminente. Il feuillette le cahier de devoirs. Il feuillette, hein? Il feuillette. Gengéon. Gengéon, 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 gengéon. Gengéon, gengéon, il vient de montrer Golgotha 1, c'est-à-dire le coin de la maison. Aujourd'hui, nous sommes vendredi saint. Et le vendredi saint, Jésus que je suis, a été condamné par Ponce Pilate, mon père. Jésus, il a connu Golgotha. Mais moi, c'est plutôt Cocotta 1. À la croix, Jésus avait la tête en haut, les pieds en bas. Moi, c'est tout le contraire. J'ai plutôt la tête en bas et puis les pieds en haut. Ça s'appelle pied au mur. Ça, c'est pour commencer. S'il y a une chose que je ne comprenais pas, mon petit frère, bon, je ne sais pas, mais le petit là, on ne le frappait jamais. On ne le frappait jamais. Et pourtant, ce n'était pas l'élève le plus brillant que je connaisse. Mieux. Bon, j'étais mieux que lui quand même. Mais lui, chaque fois que le vieux prend son cahier de devoirs, il feuillette. Allez, c'est bon, vas-y. Réellement, les cheveux comme ça. Vous savez, il y a une différence aussi entre les Européens et puis les Africains. Un enfant européen, quand il n'a pas bien travaillé, quand son papa prend son cahier, c'est « Allez, Junior, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Junior, mais c'est quoi ces notes-là »« Il faut te remettre au travail, mon chou. »« Allez, va, tu dors, et puis il faut te mettre au travail. » Il lui donne des conseils. C'est nous, en Afrique. C'est pendant qu'on te chicote, on te donne les conseils. Petite école qui est facile comme ça, là, toi, tu ne fais rien. Regarde les petits exercices qui sont simples comme ça, tu ne fais rien, tu ne fais rien, tu ne fais rien comme ta maman, tu ne fais rien. Donc, j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que ça se passe comme ça avec mon petit frère. Je l'ai appelé, j'ai dit, petit, viens. Pourquoi quand le vieux prend ton cahier là, il ne te chicote pas? Moi, il me frappe tous les jours. Tu n'as même pas de bonnes notes même. Et puis, papa, te frappe pas. Il me regarde et puis me dit, toi là, tu es vraiment bête. Il dit, pourquoi tu m'insultes? Il dit, toi, tu as oublié que papa est policier. Eh, ben, papa est policier, là, où est le rapport? Il dit, mais papa est policier, toi, tu as oublié, hein? Moi, quand je donne mon cahier, là, dans les deux premières pages, j'ai mis un billet de 500. Quand papa se met, tu vois comme ça, là. Il dit, c'est propre. Allez, allez, sucré, 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 sucré. C'est comme ça que lui faisait. Et donc, après m'avoir jugé, condamné et crucifié, le vieux me descend de la croix. Jésus, il en est descendu en sang, mort, enterré, pour ressusciter dans 3 jours. Moi,
Je descends là, je ne suis pas moi. Hein. Moi, je descends en pleurs et en larmes. Et même si je meurs sur la croix, il va me ressusciter. Pour pouvoir me crucifier encore, parce que moi, je suis islandais. Je suis né pour mourir. Le vieux me descend de la croix et puis il me tend le cahier de devoir. Tiens, regarde-moi le cahier de devoir là. Viens regarder tes erreurs. Comment vous voulez qu'un enfant, les yeux remplis de larmes, puisse regarder dans son cahier de devoir pour être conscient de ses erreurs? Mais attention, si une seule goutte de larmes touche ne serait-ce qu'une seule page du cahier de devoir, la Golgotha 2 va commencer le lundi à 7h30 avec le maître parce qu'il va ressusciter Highlander. Ah oui, j'ai souffert avec ce cahier de devoir. Vous savez, moi j'étais, c'est vrai, j'étais pas trop intelligent, c'est vrai. Mais reconnaissez au moins que j'étais honnête. Je rentrais à la maison avec la chicotte qui allait servir à moi-même, hein, ma bassonade. Bon, il y a d'autres. Et ils étaient intelligents. Ils allaient au-delà de mes pensées. Comme mon ami Ferdinand. Ferdinand, lui, son papa est archiviste. Vous savez, il fouille. Les archivistes, leur faculté spéciale, c'est qu'ils se rappellent, hein, des mauvaises choses du passé. Donc, c'est-à-dire qu'ils te rappellent tes erreurs, quoi. Donc, chaque fois, lui, quand on rentre les vendredis soir, il vient, il fouille le sac de mon ami Ferdinand. Oh, Ferdinand, il est tellement intelligent. Il sait que le cahier de devoir est de couverture rouge. Il change la couleur. Il met en bleu, en vert. Et donc, quand son papa vient, Ferdinand, il est où ton cahier de devoir? Il dit, papa, si tu veux, faut fouiller. C'est pas là-haut. Le maître nous a pas donné aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que lui, il faisait pour s'en sortir. Parce que son papa aussi, c'est un gars, il fouille. C'est, à force de fouiller, ouais, non, il a un peu les doigts. Parce que c'est ça la déformation, hein, professionnelle. Il y a des gens, ils travaillent, à force de faire des choses, ils sont habitués. Comme on a un nom comme ça, lui, on l'a appelé tonton avancé. Et quand il te parle, il est comme ça. Mais avec une certaine fréquence, quoi. Ça va, les enfants? On nous voit, vos parents vont bien? Avancez. Il était docker. Donc, c'est-à-dire qu'il est habitué, quoi. Avec, c'est... Comme ça, allez, avancez. Mais il y a le père de Mélissa. Et je ne sais pas. Mais quand son papa, il parle, il a des gestes bizarres. C'est-à-dire qu'à force de travailler, il a toujours des gestes comme ça. On dit, mais Mélissa, toi, ton papa, il fait quoi? Eh, dis-moi, mon papa, là, il est gynécologue. C'est bon, c'est pas pour ça qu'on est venu, hein. On est venu parler d'école. Et donc, des gens comme ça qui avaient cette intelligence développée là, il y en avait partout en classe. Et je sais que dans la salle même, il y en a. Eux, ils étaient les plus intelligents. Ils allaient jusqu'à imiter... Attends, je vais voir, ça c'est les gens, les calligraphes. Et le vieux regarde le cahier même et puis lui-même il dit, qui a signé? Tellement lui-même il reconnaît sa signature, c'est bien fait comme ça, qui a signé? Ah ouais, le cahier de devoir, on le reconnaissait à sa couleur. Parce que le cahier de devoir pour nous, c'était une bombe. On le reconnaissait à sa couleur. Et attention les enfants, courage. Attention les enfants, danger. Oh, attention les enfants, danger. Mariam joue à la balle. C'est la jolie moto de papa. Les tomates sont dans la cuvette. Fatou joue avec sa poupée. Fatou joue avec sa poupée. Fatou joue avec sa poupée. Une poupée. Une poupée. 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 Pou. Pou. Pé. Pé. Pas.
Le premier réflexe en matière de lecture pour un enfant de CP1, ce sont les images qui rattachent à la lecture. Parce que quand nous on fait la lecture, quand tu vois une image, tu connais le texte. Mais si tu nous as demandé de te montrer ne serait-ce qu'un seul mot de ce qu'on est en train de dire, tu nous as tués. Tu nous as tués. Et très souvent, quand on est en train de faire la lecture, c'est comme ça qu'on fait pour s'en sortir. Mais tant que le maître est loin, ça va. Tu peux faire ta comédie. Plus tu se rapproches, les images se mélangent dans ta tête. Et comme on est habitué à lire de façon mécanique, on peut coller même les pages là, deux, et puis on passe au texte suivant. Et donc, pendant que tu es en train de lire, toi, on t'entend dire, René, regarde la télé. Le maître arrive et il te dit, où est René? Tu regardes dans ton livre et c'est là. Tu dis, monsieur, voici René. Tu es sûr que c'est René? Monsieur. Au lieu d'avoir un petit garçon assis sur un tabouret devant un téléviseur, c'est plutôt une petite fille qui a une balle en main. Monsieur René. René. Où est René? Monsieur René! Monsieur René! René! Monsieur René était là hier. Monsieur René! Monsieur René! René! Ce genre d'erreur-là, quand tu as un maître qui s'appelle Asikabo Asen, dit enseigne le bris, tu ne peux pas les commettre. Tu ne peux pas les commettre. Des maîtres comme ça qui ont marqué votre vie, vous en avez eu. Nous, c'était Asikabo Asen, dit enseigne le bris. Ah ouais, le gars a sucé notre sang. Il nous a pris du CP1 au CE1. Ma Seigneur le bris. Et vous vous rappelez, il y a des maîtres comme ça qui, hein, de la couleur de leurs vêtements, on devinait leur humeur du jour. Il y a des jours, ils viennent à l'école en bleu, on sait qu'on va copier des leçons. Quand ils viennent en vert, ouais, il n'y a pas de souci. En vert, ça va. Vous pouvez bavarder, hein, on nettoie le tableau, on fait des frises. Mais le jour où un Seigneur le bris arrive à l'école, en polo rouge, bariolé de bleu, l'école relevée. C'est une journée de deuil national. Il va faire des victimes. Déjà à 200 mètres, quand tu le vois même là, la classe est inondée de pipi et de larmes. Il arrive en classe et puis il prend son mamba vert. Voilà, mamba vert. Nous, c'était le mamba vert. Vous, c'était quoi? Parce qu'il y en a qui ont connu mamba rouge. Il y en a qui ont connu le courroie de moto. Oh, heureusement, en France, vous ne savez pas ce que c'est la courroie de moto. Vous voyez ça seulement sur une moto. Mais nous, on a senti ça dans le dos. C'est-à-dire qu'il envoie comme ça, parce qu'il coupe juste un bout. Maintenant, quand il envoie tout le long, ça te prend dans le dos. Et puis ça ressort un peu quelque part ici. Je dis même quand je parle, même je touche mon dos, même je sens que il y a des coups battus dorsales qui ont été laissés. Enseigne, il prend son mamba vert, puis dans toute la classe, paye, 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 paye. Bonjour les enfants. Tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Si tu es garçon là, parle, parle. Tu connais ou tu connais pas ou tu peux pas parler. Et enseigne le bris, comme il sait qu'il va faire des victimes, il choisissait toujours les matières compliquées, à commencer par la table de multiplication. Il choisit 10 élèves. Et nous, notre prière, c'était qu'on tombe sur la table de 1, communément appelée la table des nuls. Et quand le Seigneur, dans sa magnificence, m'accorde la grâce de la table de 1, j'ai bien sûr envie de chanter un chant à sa gloire. Alléluia, 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 alléluia,
vas-y, tape de 1. Mais c'est moi. J'ai dit, je sais qu'on ne va pas me chicoter. J'ai dit, c'est tellement facile, je résiste dans la chanson. Après avoir fait ma récitation, je fais référence à mes amis. Et puis je retourne m'asseoir à ma place. Ah, parce que c'est un jour de joie. Mais oui, il dit, toi là-bas, tape de 2. Ça sait aussi qu'entre 1 et puis 5, on peut se débrouiller. 1, 5, 10, c'est facile. Toi, tape de 2. En général, il piochait dans la bande des nuls. Parce qu'il doit faire des victimes. Allez, toi là-bas, tape de 2. 2. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Il dit, c'est bon. Allez, derrière là-bas, tape de 8. Monsieur, moi. Vas-y, tape de 8. Ah, monsieur, on est beaucoup ici. Pourquoi c'est... Monsieur, pardon. Vas-y, tape de 8. 8. 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 2. Le maître, yo, tu fais quoi comme ça? Monsieur, j'ai oublié la table là. C'est la chanson de mes voisins qui est restée dans ma tête à cause de ça. Il dit, quand tu finis de faire une chose pareille, enseigne le bris. Il avait tellement de techniques pour nous torturer. Soit tu fais la chaise imaginaire. Tu vas rester là comme ça. Il y a un autre. Tu as pompé. Fais comme ça. Pied au mur. Mais là, la technique même. Comment tu peux dire à un enfant de mettre sa main ici aux oreilles? Tu mets une main là, tu attrapes une oreille. Non, enseigne-nous. Elle m'a dit, oh. Ça, c'est vous qui avez été en Europe. Fallait venir en Afrique, vous allez comprendre des choses. L'Afrique est dure, c'est pas seulement dans l'argent. Voilà, physiquement aussi, c'est dur. Donc, quand enseigne-nous finit de faire comme ça, il dit, bon, oro. Voilà un aussi. Oro, pandocien, copain. Non, sincèrement, à l'école aussi, il y avait des noms bizarres. Et nous, dans notre classe, il y en avait. Surtout la bande des nuls. Bizé, Zitio, Wouri. À vous dire, hey, c'est le nom de quelqu'un. Nyosio, le poème Jean-Marc. Ati, Apognan. Tout ça, c'est des noms. Il y a un même quand on doit dire son nom, nous tous, on attrape l'état parce que si tu n'attrapes pas, c'est un séisme. Son nom, c'est un séisme. Lui, il s'appelait Pi. Bleka Boyero Grégoire. C'est quoi cette aberration nominative? De nos jours, tu donnes un prénom comme ça à un enfant, lui-même il va t'insulter. On ne fait plus ça. Il y a des prénoms aujourd'hui, quand tu entends, c'est qu'il y a forcément tonton. Anatole. Non. On ne peut pas donner Anatole à un enfant de nos jours. Hein? Tonton Anatole, oui. Voilà. Hein? Tanti Marguerite. Ça, c'est ça. Mais une petite fille comme ça, Marguerite, c'est quel sinon on va lui mettre Magué, c'est quoi ça? Magué, c'est quoi ça? Il y a qu'au Congo et au Cameroun qu'on donne toujours les noms comme ça. Hein? Hein? Ils font des tortues nominatives. Hein? Gontran. Donatien. Ils donnent même souvent Mathusalem. Attends, quand même. Un enfant comme ça à son âge. Hein? Gontran, le petit, aidez-moi, hein? Un nom de caresse à Gontran. Ça n'existe pas. Gonti. Oh. Vous abusez là. Gonti. Donc, Oroc Mandossien, lui, c'était plus qu'un doyen. Non, Oroc Mandossien, il était nul. Non, même la table de zéro, il ne connaît pas. Oroc Mandossien ne bénéficiait plus du grade de redoublant.
Lui, il était là, juste comme ça. Oroc Mandossi, il était ce qu'on appelle un PNB. Entendez par là, phénomène naturel de la bêtise. Oui, un jour même, il allait se plaindre chez le directeur. Il allait voir le directeur, hein, que le maître lui pose des questions difficiles. Il lui pose des questions difficiles. Entre-temps, un jour, on a reçu un instituteur stagiaire. Il doit faire son cours. Et pendant qu'il est en train de faire son cours, il nous interroge à lire au tableau. Allez, toi, vas-y, lis au tableau. Il lit. Allez, vas-y, Fred, lis au tableau. Il dit oui. Monsieur Oro, ça va? On ne vous dérange pas? Tout se passe comme vous souhaitez? Parce que lui, il pensait que Oro était un inspecteur. Déguisé en kaki, qui était assis là-bas, parce que c'était un douanier. Oro lève la main, monsieur. Il dit oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il dit, monsieur, sinon moi aussi, je suis ici. Je suis un élève de la classe, hein? Il dit, ah bon? Bon, lisez au tableau. Il dit, non, c'est juste pour vous dire ça. C'est juste pour vous dire que je suis de la classe. Ne pensez pas à autre chose. Je suis de la classe, voilà. Mais si c'est pour la lecture, les trucs, ils sont là. Et voilà, faut les interroger, ils sont là. Au Rokmandosien. Non, il allait loin. Et quand il allait voir le directeur, il dit, monsieur le directeur, regardez, hein, le mec me pose des questions difficiles. Le directeur, mais monsieur assis, comment est-ce que vous pouvez lui poser des questions difficiles? C'est quoi ça? Il dit, monsieur le directeur, c'est le même programme là qu'on suit. On n'a rien changé. La preuve. Oro, 4-4. Il dit, monsieur, vous avez vu la recommandation. Oro était grave, hein? Non, il était grave. Et les maîtres comme Assis Kabo, c'est ce genre de maîtres-là qui nous ont tellement bastonnés, qui ont fait que chaque fois qu'on venait nous annoncer une indisponibilité quelconque de leur part, c'était la joie. Quand on vient nous dire, les enfants, le maître est malade. La classe. Ah, je reconnais l'Afrique. Ça, si c'est en Europe, les enfants, le maître est malade. Qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Nous, on ne va pas t'apporter quelque chose. Si on doit t'apporter quelque chose, on prend ton nom, on s'en va au village. Maman, fais quelque chose sur le maître. C'est ça l'Afrique et ses mystères. Un jour, je partais à l'école, je vois mon ami Ferdinand devant la classe, devant sa maison, autant pour moi. Mais Ferdinand, pourquoi toi, tu ne vas pas à l'école aussi? Réellement, apporter kaki. Va t'échanger, on va partir à l'école. Il dit, ah, nous là, on ne va pas à l'école. De... Il dit, pourquoi? Il dit, non, mec, t'es mort. Non, mec, il est mort. Tu lui as dit, tiens, pour vous, est bondé. Votre maître est mort. Nous, pour nous, on ne peut même pas dire qu'il va tomber malade aussi, même pour mourir même. On arrive à l'école. Surprise! Enseignant est malade. J'ai dit toute la classe. Le maître est malade. Le maître est malade. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Le maître est malade. Non, c'était trop top. Enseignant est malade. Donc on s'assoit tranquillement. J'ai sorti ma goutte. Parce que ce jour-là, ma maman m'avait donné. Je ne voulais même pas partager à quelqu'un. Puis j'ai plus comme ça. Enseignant est malade. Donc on s'assoit. On a commencé à ranger nos affaires. Et puis on voit un monsieur qui rentre là-bas. Il était noir, à devenir bleu. Il avait porté un pantalon padef. Cheveux afro. Il rentre en classe. Waouh! Bonjour les enfants. Je m'en vais pour Dieu. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Moi, je suis un Ivoirien. On m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a 60 ethnies. Mais ça, là, je n'avais jamais entendu. Et déjà, je suis en train de parler le français. Quand il a dit, on dit, monsieur, c'est français. Nous allons faire une petite dictée pour voir un peu le niveau des enfants. Prenez les feuilles. Donc chacun prend sa fouille. Alors je commence. Un wo. Pour ceux qui ne comprennent pas le wo c'est le petit de la was. Si un wo défera, comme un wo de wo.
On a tous écrit sur nos feuilles. Wo, 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 wo. Wow. Je n'ai pas dit d'écrire ça, j'ai dit le wo. Si tu comprends pas le wo c'est le petit de la was. Si un wo de frappe, comme un wo de wo. On a écrit sur nos feuilles was, was. Est-ce que. Je vous jure, wallahi, je vous jure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis dans cette classe? Il y a un ami qui lève la main, monsieur, je m'appelle Ndia, je comprends. Alors, je parle en bois, tu parles en bois, et tes amis écrivent en bois, en bois. Monsieur, allons-y. Alors, je disais tout à l'heure un wo. Le maître disait tout à l'heure un wo. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le wo c'est le petit de la vache. Pour ceux qui ne comprennent pas le veau, c'est le petit de la vache. Alors, si un veau vaut des francs, combien vaut deux veaux? Si un veau vaut des francs, combien vaut deux veaux? Waouh! Est-ce que pour retenir ça, c'est compliqué? C'est une histoire, c'est dans un enclos, waouh! Je te dis que dans cet enclos, il y a beaucoup d'animaux. Il y a le bœuf, il y a le volaille, il y a les gens qui viennent qui le volent. Il y en a qui font de tout ça, de tout ça. C'est ça que je suis en train de dire depuis. Et puis nous-mêmes, on dit, mais India, il faut traduire. Je dis, hein? Moi, à longtemps, j'ai quitté le Sénégal. Je... Mais c'est ce que tu as dit après là. Je n'ai rien compris. Bon. Quand vous vivez une situation pareille, est-ce que vous avez envie de continuer avec lui? Oruk Mandoussien s'est levé. Il est allé voir le directeur. Et après requête déposée, requête reçue, on nous a changé d'instituteur. Oro servait à quelque chose. On nous envoie un instituteur français. Je ne sais pas pourquoi ils sont pressés. Je sais pas, les Français, ils sont toujours pressés. Bonjour les enfants! Et puis nous, on dit bonjour monsieur. Alors, je m'appelle Monsieur Georges, je viens d'arriver de la France, précisément de Bordeaux. Alors, si nous à Bordeaux pour voir le niveau de dictée. Précisément de Bordeaux. Alors, si nous à Bordeaux pour voir le niveau de dictée. Il a dit quoi? Prenez les feuilles, nous allons faire une dictée. Et donc, chacun prend sa feuille. Alors, je commence la dictée. Dictée, que peut le vœu. Que peut le dans une bataille, le roi de même s'en sortir ensanglanté. Monsieur, on n'a rien compris. Il faut reprendre ça doucement. Alors, je reprends à haute et intelligible voix. Dictée, que peut le bœuf? Que peut le bœuf dans une bataille où le roi lion lui-même s'en sort très ensanglanté? Allez, les enfants, il faut rendre les feuilles. Et là, dans le fond, on entend des petits tricheurs. Franco, y a quoi? Dis-moi, ensanglanté là. On écrit ça comment? Tiens, toi, tu es fodé. Tu es déjà arrivé là-bas. Tu es déjà arrivé sur ensanglanté là. Moi-même, là, mais c'est képé le bé là. On écrit que PLB, si c'est collé ou c'est pas collé, c'est dessus aussi depuis là. Encore le même Oroc Mandosien a repris sa même démarche qu'on nous envoie un malgache. Bonjour les enfants, je m'appelle Paul Rabalota Patapata Manata Pato Tata Pato Manamata Pato Patata Tato Tata Tata. On entend dring. Il est l'heure. Le temps de finir son nom. Il est l'heure. Quand on a vu ça, on dit non, on ne peut pas continuer avec ce monsieur-là. Et donc, on nous a changé d'instituteur. On nous a proposé un Nigérian. On dit, on ne comprend pas anglais. Et on a envoyé son équivalent, un Nigérien. Quand on a vu Nigérien, on a dit son nom. On dit, monsieur, on ne peut pas changer. Il dit pourquoi? On dit monsieur, la dernière fois. Parce que eux là, tout ce qui est F, ça devient P. Tout ce qui est P, ça devient F. Chez les Aoussa là, préfet, monsieur le préfet, ils vont dire monsieur le préfet. Chef, chef, poisson est fini. Chef, poisson est fini.
Et on s'est rappelé qu'on a deux amis qui ont chanté Papillon, vole, vole, vole. Un Nigérien entonne et un Sénégalais reprend. Le Nigérien qui entonne Farafion et le Sénégalais de répondre Wale, 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 Farafion, Wale, Wale, Wien. Bon, quand on s'est rappelé, on dit ça vaut pas la peine. On était en train de voir qui va revenir et là, Enseigne le Bris revient de sa maladie tel un phénix qui renaît de ses cendres. Vous là. Donc c'est vous qui avez chassé le blanc et puis le Sénégalais là. Prenez le feu, on va faire dicter. On dit, ah, oh, monsieur, prenez le feu là-bas. Parce qu'Enseigne le Bris, pourquoi on dit le Bris? Parce que c'était quelqu'un, il avait une corpulence. Et avant, hein, Bris, c'est des diminutifs de brigands. Nous, on l'appelait Enseigne le Bris. S'il savait qu'on l'appelait Enseigne le Bris, il allait nous briller. Allez, prenez le feu. Dicte. L'enfant se promène dans la cité sur sa bicyclette en voulant esquiver dans sa clé. L'enfant tomba. Fin de la dictée. Rappelons aussi qu'enseignant, il y avait une diction. C'est lui, quoi. Et donc, on va vérifier dans le fond là-bas. Eh bien, il y a quoi? Pardon, dis-moi, bicyclette là. Bicyclette à quoi? C'est où on écrit I? C'est où on écrit Y? Toi, tu cherches la place de I et puis Y. Moi, j'ai écrit vélo. Toi, faut chercher où il y a I et puis Y. Mais, quand tu sors d'une telle dictée, il y a une seule chose qui te vient en tête. On a 15 minutes de bonheur. Mais il y a un autre moment aussi qu'on aimait tant. On faisait une prière pour l'avènement rapide hein, de ces journées sabbatiques qui nous étaient dédiées. Pour les grands frères, c'était les jeudis. Mais nous, c'était le mercredi. Ah, le mercredi. Le mercredi, on n'était pas obligé de se réveiller à 6 heures du matin. Mais chose bizarre, c'est à 6 heures que nous, on est debout. Le mercredi, c'est là que nous, des joueurs de haut niveau, on jouait des matchs de football. La première mi-temps commençait à 7 heures pour finir à midi. La deuxième mi-temps, c'est à 14 heures ou bien 15 heures en fonction de qui va se réveiller vite. Jusqu'à quand ton papa va venir te chercher sur le terrain. Voilà, parce que souvent on joue et puis tu vois, tu prends un but, le papa du gardien est venu le chercher. Voilà. Les règles étaient simples. Le plus gros, c'est le gardien. Voilà. Et puis quand on joue, celui qui a le ballon, on le classe forcé. Pendant qu'on est en train de jouer, tu l'as taclé, ça lui a fait mal. Match est fini. Il prend son ballon et puis il s'en va. Et puis très souvent aussi, les gens comme ça qui avaient tous les équipements, je sais qu'il y en a encore. Le gars, il vient avec ballon, poteau, bête de mat, tout. Il ne fout rien. On n'a pas le choix. C'est son ballon. On doit jouer. C'est la première personne qu'on classe. Oui, ça, c'était les matchs de football. On ne jouait pas seulement qu'au foot. Il y avait la conduite. Parce que tout bon petit Africain, digne du nom, dès le bas âge, sait conduire un véhicule. Et quand on jouait à la conduite, quand un enfant joue, c'est ça, on dit, la vérité ne sort que de la bouche des enfants. Quand un enfant joue à la conduite, tu sais ce que son papa a à la maison. Donc, quand nous, on jouait, certains jouaient, ça faisait... Lui, tu sais que son papa a un véhicule neuf. Transmission automatique. Il y en a qu'un jour... Lui, tu sais que son papa a un véhicule France au revoir. Transmission manuelle. Quand nous autres, on joue. Hey,
vous là. Venez pousser. Venez pousser. Venez pousser. Quand tu vois ça, tu sais que c'est une épave. Le vieux est policier. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à la maison? Parlant de policier, le statut même du papa. En général, quand ton père est policier, très souvent à l'école, tu as des comportements un peu autoritaires. Mais trop d'autorité, ça tue. Un jour en classe, pendant qu'il y a un chef de classe, le chef de classe dit, voilà des gens avec lesquels il fallait être ami. Tu lui as donné ton goûter, il ne met pas ton nom sur la liste des bavards. Mais à des parties qu'on aimait bien. Ou toi, chef de classe, tu dois noter le nom des bavards, le maître vient te trouver en train de bavarder. C'est la joie. On va te secouer, on va te voir. Pendant que les gens bavardaient, je me suis levé tel un policier. Hey, vous la taisez-vous. Et j'entends dans le fond là-bas, si on ne s'était pas là, tu as fait quoi? Il dit, tabassa. Quand j'ai dit ça, il dit, tu as daba où? Il a dit, au caca sport. Parce que c'était le coin où on partait se battre au caca sport. Quand j'ai dit au caca sport, qu'on s'est dit, ouais, il n'y a pas de radon, on se prend au caca sport le soir. Toute la classe a fait. Hein? De l'intensité de leur réponse, je regarde le fond de la classe. Et je regarde, c'est à Ignace que j'ai répondu. Un toin. Le champion du caca sport. 24 combats, 24 KO. C'est à Ignace que j'ai commandé caca sport. Mais tout le temps du coup, je ne suis pas tranquille. Je suis physiquement là, mais mon esprit est déjà parti. Ignace, on fait les coups et on arrive à 17h. Et 17h, Ignace a oublié. Je rase les murs pour rentrer à la maison. Il y a toujours quelqu'un. Philippe. Hé, hey, Joël, c'est pas toi qui as dit que tu as parti au caca sport, Ignace. Quand il a rappelé ça, toute l'école, ouh, on est sur la route du caca sport avec son hymne national. Kroubata, y'a pas pardon. Kroubata, y'a pas pardon. Kroubata, y'a pas pardon. Kroubata, y'a pas pardon. On arrive au caca sport. Pendant que je vais éviter mon massacre imminent, j'ai dit, moi là, ma maman m'a dit de ne pas me battre à l'école. Elle dit que par là-bas, c'est pas bon. Le même Philippe vient avec deux poignées de sable. Voici Palab, voici amusement. Ignace a tapé Palab. Quand Ignace a tapé Palab, toute l'école, ouh, et il me tend ses deux points. J'ai tapé amusement. Il a dit, c'est bleu. Le temps de m'en rendre compte, j'étais déjà renversé. Et quand tu finis, les ex-victimes d'Ignace viennent vers toi. Et toi, tu ne pourrais pas faire phase. Quand Ignace est venu là, tu ne pourrais pas dribbler. C'est dit, mais ce n'est pas vous, il a frappé avant-hier là. Et non, non, nous, c'est dit que quand on te voyait là, nous, on savait ce qu'il fallait faire. Et le même Philippe me dit, tu sais pourquoi on t'a frappé? Il dit, je ne sais pas. Il dit, est-ce que tu es canqué? Je ne suis pas canqué, on dit, oh, oh, Philippe même, c'est une ex-victime d'Ignace. Et mon grand frère, il sait faire les canques. On a été chez son grand frère pour sa réputation. Voilà des gens qui prenaient une âme, ils nous traçaient trois traits. Ils mettaient on ne sait pas quelle mixture. Et quand il finit, il dit ça, je t'ai fait un canque bélier. Et le canque bélier, pour pouvoir le réaliser avant de te battre, tu te mets en position bélier. Et quand tu finis de faire ça, parce qu'il faut que le kang prenne, on est devant le grand frère, il te met un gros bois, donc on tête dans le bois. Ça te fait mal. Mais comme le grand frère est là, tu ne peux pas pleurer. Et puis il te dit, c'est rentré. C'est pas rentré. De mon canque. Parce que quand on me met le canque, tu retrousses en même temps ta manche et puis tu arrives à l'école comme ça. Quand on voit le bélier, on sait qu'on t'a canqué là.
et je viens devant Ignace. Toi, ce soir au Cacasport, pour la revanche. Je ne sais pas c'est quelle force surnaturelle. Le soir à 17h, Cacasport, une foule plus nombreuse même que la première foule. Mais ma soeur sont à côté. Joël, aujourd'hui là, tu vas frapper Ignace. Et quand on devait annoncer le combat, j'ai fait ma position et j'ai commencé à faire mes incantations. Marigota, 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 donne-moi la force. Marigota, 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 donne-moi la force. Quand j'ai foncé vers Ignace, il s'est simplement décalé. Un petit croc en jambe. Je suis tombé par terre comme un melon mûr. La bouche pleine de sable. Ah oui, on a souffert. On n'était pas les seuls aussi à s'amuser le mercredi. Il y avait les filles. Ah, les filles. Des championnes dans ce jeu. Vous savez, aujourd'hui, j'ai la peine. Hein, mon cœur est peiné de savoir qu'on a des athlètes. Oui, nous, les Africains, on a des athlètes qu'on n'utilise pas. Parce que quand les filles jouent, à temps passe. Vous n'avez pas idée de la distance. C'est-à-dire, elles sont courtes, mais elles sautent. Temps passe. Un pied. Deux pieds. C'est sur le dernier pied là que tu vois toute la hauteur qu'elles prennent. Dernier pied. Dernier pied. À la queue. Qu'elles doivent jouer à la corde aussi. La corde est là. Qu'elle met un doigt. Son pied atteint la corde. Abi, si, 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 si. Abo, so, 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 so. Abba, ça, 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 ça. Elles sont là. Elles sont là. Oui. Quand je dis les choses comme ça, souvent, je vois les Français qui disent, c'est dommage qu'on n'a pas été là-bas quand même. Mais bon, chacun grandit dans son endroit quand même. Et nous aussi, quand on vous voit, on dit, c'est dommage qu'on n'a pas été chez vous quand même. Chacun a des séquelles. Donc, les filles, quand elles jouaient à ce jeu-là, il y avait plein de jeux avec lesquels on a grandi. Gomane. Nabezita. Hey. Laisse tomber. C'était les championnes des chansons. Donna Benjamin Jacheke avec Antonio. Donna Cécile Pile Foutou. Continuez la chorale. Hein? Vous avez oublié? Peter, Peter, pardon, faut pas tuer Joey. Si tu tues Joey, Kelly va se fâcher. Attention, Kelly va tirer. Elles avaient des chansons aussi. C'est-à-dire, des chansons, on chante à n'en point finir. Quand on commence, c'est qu'on est obligé de chanter. Quand on est fatigué, on dit on chante plus. C'était un jeune marin qui revenait de guerre, qui revenait de guerre. Ça, c'est votre version. Ça, c'est votre version. La version incontinue. Que dis-je? La version où on s'arrête jamais. C'était un jeune marin qui revenait de guerre, 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 qui revenait de guerre. Qui revenait de guerre, 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 qui revenait de... On peut rester sur la même chanson là. Quand on est fatigué, on s'arrête. Il n'y avait pas que cette chanson. La meilleure, la plus grande des chansons. Ah, 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 ja, 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 bi, bi. Bilé, lé, fin, fin. Mot, mot caché, c'est, chez lui, go, go, la, la. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est là où le parti, là. Je vous vois. Et ça, c'est les grands adeptes de ce jeu qui appelle l'unanimité chez les garçons comme chez les filles. Et juste à présent, ce jeu-là continue de faire, c'est quoi? Oh! Descends sur cet esprit, esprit de Dieu.
papa, maman. On a aimé ce jeu-là. Je l'ai aimé. Les règles sont simples. Les nuits sont plus longues que le jour. Ça, c'est... Il n'y a rien à faire. La nuit est forcément plus longue que le jour. Et quand on joue à papa, maman, les enfants sont les rivaux des parents d'aujourd'hui. Et quand nous, on joue à papa, maman, il y a une chose que j'aimais bien. Quand je suis papa, Mélissa, la petite sœur de Ferdinand, est maman. Si je ne suis plus papa, Mélissa n'est plus maman. Parce que très souvent, on luttait des mamans. On arrive, c'est ton tour. Non, 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 la maman, elle n'a qu'à rester maman. Elle n'a qu'à rester maman. Elle n'a qu'à... Moi, je suis papa, elle. Pourquoi? Mélissa et moi, on redevient enfants. Parce qu'on doit apprendre encore à redevenir parents. Oui. Ah oui. On avait beaucoup de jeux. Des jeux comme ça, la vie, oui, oui, il y en avait. Mais les mercredis n'avaient pas ce caractère joyeux, festif. Un jour, je me rappelle que je partais jouer un grand match, parce que grand sportif de haut niveau que je suis, je m'apprêtais à jouer un grand match. Et puis j'entends Joël. Oui, papa, ton maître est là. Ah, enseigne-moi bien, c'est quoi ici? Je m'en vais à la porte. Qui je vois? Un jeune garçon arrêté en polo, un jeans avec des toxides. Papa, ça là, c'est pas mon maître, hein. C'est pas mon maître. Il dit oui, c'est pas ton maître, mais lui là, c'est ton maître de maison. Voilà des gens, des jeunes gens. Leurs amis se débrouillent pour devenir médecins, pilotes. Eux, ils se promènent de maison en maison, les mercredis, pour nous priver de tant de jeux. Et la partie qui me fait mal, c'est quand ils te chicotent même plus que ton maître. Non. J'ai un de mes collègues qui a été bastonné comme ça. Parce que son maître de maison lui a posé une simple question. 4 plus 3. Il a répondu, monsieur, ça fait 5. Mais il a chicoté. Il a chicoté. Son père, parce que c'est son père, il vient répéter, frère, pourquoi tu frappes mon enfant? Il dit, ah, vieux père, petit là, je lui ai posé une petite question, 4 plus 3. Et puis, tu as répondu comment, mon petit? Il dit, papa, j'ai répondu 5. Mais de toute façon, son papa l'a giflé. Il dit, ah, maudit là! Tu pourras pas dire 14. Et là, il regarde le maître. Il dit, où bien, petit frère? Et grand frère. 4 plus 3, là. Sincèrement, ça fait 7. Mais souvent, ça peut monter jusqu'à 14. Oui. Il n'y avait pas... Mais des maîtres de maison, on a connu des bons et aussi des moins bons. Je me rappelle un jour, le maître de maison me dit, petit, aujourd'hui, on va étudier le complément d'objet direct. Allez, prends ton cahier. Je prends mon cahier, puis il dit, écris la phrase suivante. Yao va au marché. Et il me demande, dans la phrase, Yao va au marché, où est le complément d'objet direct? Je ne connais pas où. Je dis, monsieur, c'est Yao. Il dit, non, ce n'est pas Yao. Dans la phrase, Yao va au marché, le complément d'objet direct, c'est au marché, mon petit. Je dis, monsieur, c'est au marché. Il dit, oui. Et pour trouver dans la phrase, Yao va au marché, comment faire pour avoir le complément d'objet direct? Il faut se poser la simple question, qu'est-ce que Yao va? Des gens comme ça, ils m'apprennent aussi. Bon, je ne sais pas, souvent aussi à l'école primaire, on a appris des choses, mais qui n'ont pas eu de sens aujourd'hui. Sincèrement, vous avez le numéro de celui qui a créé la CCD, là. Je ne sais pas, mais ça sert à quoi maintenant? Si ce n'est pas dans dessus, reçu, tu ne vas pas voir CCD quelque part encore.
Hein, y a, pour, est-ce aujourd'hui pour calculer combien est-ce qu'on est trois et puis on va partager 15 euros? Est-ce qu'on a besoin d'une division euclidienne? On nous a appris des choses, mais hein, Samori Touré, il est, tout ça, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Il y a un mot aujourd'hui. Ovo-vivipa. Est-ce qu'on peut se dire bonjour? Est-ce que vous savez que c'est ovo-vivipa? Il y a des démons, on a appris, ça n'a pas de sens, ça nous sert à rien. Zindianthrope. Est-ce qu'on dit non? Aujourd'hui, pour aller là-bas, A moins B, le tout au carré, on nous a chicoté pour rien. Heureusement que le vieux passait à côté, il a vu tout ça. Et il a renvoyé. Les maîtres de maison, c'est pas quand ils viennent les mercredis qui, moi, m'énervait. C'était plutôt quand ils venaient en semaine, les jours ouvrables. Dès qu'il arrive, c'est là, toi, tu entends au salon. Jamais. Il nous a torturés. Pour taper dans un ballon, est-ce que tu as besoin de t'arrêter? C'est dit, et ce qui me fait mal, Benjamin, lui seul, c'est le seul joueur au monde qui soulève son pied le vendredi soir à 18h45. Si c'est pas lundi à 17h, Benjamin va pas déposer son pied pour shooter le ballon là. Benjamin, c'est dit, on peut quitter leur camp. De leur camp jusqu'au milieu du terrain, une semaine. On est sur la même partie du terrain. Parce qu'ils vont courir, Soma. Ils courent pendant une semaine, ils courent. Ah oui, les dessins animés nous ont appris beaucoup de choses. Et les Benjamin, c'est grâce à Benjamin là, hein, qu'on a eu des grands joueurs. Hein? Des grands joueurs comme Didier Drogba. Voilà. Hein, chers Ivoiriens, on peut applaudir la légende Didier Drogba. Oui. Et des Ivoiriens comme ça, qui se sont fait remarquer dans le monde, il y en a plusieurs. Les Magic System, hein, Alpha Blondie, Tikenja. Il y a même au Canada la petite fille guérée là. Rappelez-moi son nom là, c'est Céline Dion. Voilà, ça c'est Céline Dion. Elle vient de la Côte d'Ivoire, attends, Céline Dion. Il n'y a pas qu'elle, il y a l'autre, le petit Adjoukourou qui est aux États-Unis là. Mel Gibson. Voilà, ça c'est des Ivoiriens qui se démarquent. Même dans les dessins animés, il y a ce petit baoulé là. Le petit baoulé. Il n'y a pas que Conan, il y a aussi, même les BT, ils ont un grand représentant. Il y a l'autre, aux États-Unis, là, Woody Allen, voilà. Ça, ce sont des gens comme ça, que ce sont des jeunes Ivoiriens qui, partout. Vous ne connaissez pas Woody Allen? Il vient de Mama. Bon, c'est parce qu'on ne veut pas dire que tous ceux-là, ce sont nos frères, sinon ils vont se sentir un peu frissés, mais sinon ce sont des Ivoiriens. Voilà. Mais quand nous, on était petits, on a longtemps pensé que les dessins animés, hein, s'appelaient Club des Petits. Jusqu'aujourd'hui même, les gens d'un certain âge ont dit, mais regardez, Club des Petits. Et pourtant, Club des Petits, c'était une grille de la télévision ivoirienne qui était dédiée à la diffusion des films d'animation. En notre temps, c'était les Conan. Mais au temps de nos grands frères, il y avait... Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Rappelez-vous les bons moments. On s'amuse, on pleure, on rit. Oh, Mathusalem. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. La chorale. Un peu d'astuce. Oh. D'espièglerie, c'est la vie de Candy. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi... Là, on se retrouve tous là. Français, Ivoiriens, Burkinabé, nous tous on se rappelle.
Il n'y avait pas que Maya. Il y avait aussi... Pas, mon petit ourson. Ah ouais. Tu roulais, tu glisses sur la blanche, blanche neige. Pas, fais bien attention. Ah ouais. Ah ouais. Dans la nuit. Il n'y avait pas que cela. Si nos frères du Nord, avant qu'on arrive à eux, je sais que parmi nous aussi, il y a des gens qui n'aimaient pas partir à l'école. Il y a pour vous aussi, c'était ça. Le symbole de la liberté. Il est né sur le bord du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Ah oui, il n'y avait pas ça. Comme je parlais de nos frères qui sont au Nord, s'ils avaient bien regardé ce dessin animé, je pense qu'ils s'en seraient servis face à ces trois Chinois. Jinky le champion est tout le monde courageux. Et même quand tout va mal, lui, il est heureux. Box, petit Jinky, t'as choisi ta vie. Écoute ton papa qui est sur la bonne voie. Aou! Oui! La plus grosse arnaque du siècle, c'était... C'est bon, 1 million d'années-lumière pour arriver sur la Terre, mon œil, ouais. Comment vous pouvez prendre des cartons? Des cartons pour nous... Non, mais ils nous ont tubés. Ah ben oui, oui, Spectreman. Donc, arrêtez, Maître Gori, mais c'était de n'importe quoi. Aujourd'hui, quand je vois nos enfants qui regardent Power Rangers, c'est la même chose. C'est la même chose, mais à une version un peu améliorée. Il y a beaucoup plus de couleurs, maintenant c'est un peu plus frais. Mais sinon, c'est la même chose. Voilà. Moi, je ne sais pas, dans tout ça, comment je me suis débrouillé, mais j'ai eu le CP. Ah ben oui, j'ai eu le CP. Voilà un diplôme.